Gracias.
Thank you.
évidemment d'aller plus loin, mais je veux vous offrir à vous tous mes sincères condoléances. J'ai rencontré son époux tantôt, Jean-François, Pascal, sa belle-fille, et puis d'autres membres de la famille que je n'ai pas pu donner la main, mais je vous offre mes sincères condoléances. Et puis Monique, un être, une personne exceptionnelle. Vous autres, vous la connaissez. Vous avez vécu avec elle. Vous êtes de sa famille. Et puis,
frères, certaines personnes de son entourage. Il y a même son plus jeune frère qui lui a, conçu son ami de mariage. Donc, ça, c'est sans compter toutes les autres choses qu'elle a faites. Il y a même pour moi aussi que c'est à plusieurs reprises qu'elle a fait du linge pour moi. Puis, c'est quand ton magasin préféré, c'est Boucleur Frédéric-Ville, ça peut mentir. Donc. Je me souviens également d'un rituel à la fête des Bères pendant quelques années, Monique préparait des bibelots.
multiples occasions. Cet évangile-là, c'est un évangile de Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. L'avez-vous connu dans ça aussi? Je vois des oui. C'est quasiment répéter mot par mot qu'est-ce que Pascal a dit de sa mère. Et puis dans tout ça, ce texte-là, c'est un message que Jésus nous laissait il y a à peu près 2000 ans. Il est venu nous dire quoi, dans le fond? Ben, il est venu nous dire qu'à travers les gestes quotidiens, tous les petits gestes qu'on peut faire une journée, c'est à lui qu'on le fait, ce geste-là. En prenant soin de l'autre à côté de nous, c'est à lui qu'on le fait. Quand elle a préparé, qu'elle a fait des parties, puis faire des mets pour accueillir une gang, le Christ était là aussi qui recevait. Voyez? À travers, elle faisait la couture, elle a vêtu combien de gens, des beaux vertus d'or, tout le monde avait peut-être bien agencé. Hein? C'est tout ça, mais on aurait fait une paire pour le Christ dans le fond. Hein? Chacun, tous ces gestes-là, à travers son quotidien, à travers sa profession de professeur, hein? S'occuper des jeunes, en même temps les accueillir, c'est ça, hein? D'accueillir l'étranger, faire connaissance avec et puis faire un bout de chemin avec. C'est ça qu'elle a fait pendant une grande partie de sa vie. Et puis autant comme en camping, il m'a été dit qu'au coin du feu, hein, puis tout ça, bon, une petite bière, c'était une forme de mettre de la joie, avoir du plaisir. Autour d'une table, jouer aux cartes, c'est ça accueillir, c'est ça prendre soin, c'est ça donner de l'amour. Hein, bon. C'est ces gestes-là que Jésus nous a dit, quand vous les faites, c'est à moi que vous les faites. Fait que quand la mission sera terminée, je serai là pour vous accueillir. C'est ça qu'il a dit dans le fond. C'est cette entente-là qu'il avait pris avec Monique le jour de son baptême. Aujourd'hui, bien, il est là pour l'accueillir. Puis dans ce sens, c'est une journée qui n'est pas facile, hein? Dire au revoir à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on a dans notre cœur et puis qu'on a tellement de beaux moments, de beaux souvenirs vécu avec elle. Hein? Pas facile. Mais quand on dit qu'il y a quelqu'un qui l'accueille, après avoir été malade et tout ça, mais là, on la met entre les mains de son Créateur, de notre Créateur à tous. Puis là, aujourd'hui, elle est dans la paix, dans l'amour. Puis des fois, on s'en pose bien des questions sur cette mission qu'on a à faire, mais elle a toutes les réponses que nous autres, on peut se poser des questions. Vous savez qu'elle est rendue aujourd'hui, elle a un paquet de réponses, puis elle comprend des choses d'un autre être qu'elle pouvait comprendre ici parmi vous autres, et puis que nous autres, on peut continuer à se poser des questions. Mais elle est là. Elle est là dans vos cœurs, hein? C'est ça qu'on a dit aussi tantôt. Elle continue d'être présente d'une nouvelle façon. Et puis, elle est là pour s'accompagner. Sa nouvelle mission, c'est ça aussi. Ah, je crois que la
L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement.
mis temps de bonheur et reçois-la dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On dit qu'une femme, croyante, une femme qui a été accompagnée du Père tout au long de sa vie, mais il y a une recette aussi que son Fils nous a laissée. Et puis que Monique a dû, elle aussi, s'en remettre entre ses mains à différentes occasions, prendre le temps de le prier et se battre. Et puis Jésus nous a dit de faire confiance, même si parfois on se demande aussi qu'il s'en va avec son chemin. On dit ça de temps en temps. Mais faites-y confiance et puis parlez de lui comme on parle à un parent. Il nous a laissé de notre Père. Et puis je vous inviterai, si vous voulez, on va le dire ensemble, je vous inviterai à vous lever. Et puis vous êtes aussi tous réunis, hein? Un signe de solidarité, un signe d'amour pour Monique. Un signe, c'est ça, j'en vois qui se donne déjà la main, si vous avez le goût qu'on forme justement une solidarité, une grande famille autour de Monique, pour dire cette prière. Vous savez, s'il y en a un qui tient sa promesse, c'est...
tu leur promis, aide-nous à porter notre fardeau. Monique, une épouse, une maman, une belle maman, une sœur, une belle sœur, une tante, une cousine, une amie. Nous te confions à Dieu dans l'espérance de te revoir auprès de notre Père. Amen. Maintenant, prends le temps de dire un au revoir. Quand on laisse aller quelqu'un en voyage, peut-être qu'elle pourrait partir pour aller en Floride. Vous êtes allé en Floride à quelques occasions. Et puis, apparemment, il y a peut-être qui nous suivent de là-bas aujourd'hui. On va lui dire bonjour eux aussi. Quand on part pour aller en voyage,
mai fatto un Thank you.